l'accueil, j'arrive et bonjour à tous. C'est donc l'épisode 3 sur Exotica. Alors, pour te rejoindre, c'est toujours le bug de la navette, hein, c'est horrible. Ah ouais? Et comme on est plus sorti, hein, mais ça marche, je te rejoins. Alors, je sais plus où on en était, hein. J'ai complètement oublié, je suis navré. On était. J'avais exploré la grotte en dessous. On avait découvert des raisins assez particuliers. Ok. Hop, je modifie vite fait comme d'hab. Vous le savez maintenant, mon clavier, ça mémorise pas. Et on disait en off que ce serait génial que l'équipe de Astroneer mette des noms de sauvegarde plutôt que les dates et les heures. Ouais, mais surtout qu'ils enregistrent les. Lorsqu'on fait, mettons, l'amélioration de. On modifie la souris clavier, les enregistre. Ouais. Alors, ce truc qu'on a trouvé là. Ça me revient. Tu sais, le machin violet là. Ouais. Eh ben, ça ressemble à de l'astronium. Et c'est ah ouais pas de l'astronium. Ça, c'est une créature au plafond qui t'a donné ça. Ouais. On sait pas c'est ouais. Quoi. Hein. Eh ben, on en a pas l'utilité pour l'instant, mais c'est marrant de trouver ça. Comme tu peux voir, regarde si tu me suis. J'avais fait une petite montée. Je me rééquipe, je reprends les bonbonnes. Je sais pas où j'ai laissé après. Peux-tu me donner de la réserve? Bah, je suis pauvre. J'ai rien sur moi. Je débarque, j'ai rien du tout. Ah, ben ça n'a pas enregistré ce que j'ai fait. Ah, tu prolonges la station par ici? Tu veux faire quoi, une éolienne? Ouais, pour mettre un emplacement pour la grosse éolienne. Ok. Je regarde juste le catalogue. La résine qui est juste à côté de toi. Vu. Vu. À mettre sur la chose ici. Hop. Voilà. Ah, carrément, c'est là-haut. Ah oui, ah, ben, c'est nickel. Plus c'est haut, plus ça tourne, ça tourne. C'est toi qui me l'as montré. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je cherche. Il faut les upgrader comme ça. On a un bazar graphique. Oh punaise. Je cherche ma lampe de travail, j'en avais fait une. Ah, ça en multi, quand on se retrouve après. Là, des métaux, pas de solaire. J'ai plus ma petite lampe. Ah si, ça y est. Et il me manque le générateur d'oxygène, je crois que j'en avais un, je suis pas sûr, mais. Bon, de toute façon, on fait avec ce qu'on a. Oh, ben voilà, avec ça, si les éoliennes ne tournent pas. Donc là, c'est quoi qui manque du courant? Ouais. On a pas désolé mal de boulot pour recherche. Les cris, mais je suis tellement pris par ce jeu, moi, que. quand je tombe dans le vide, ou que je fais tomber dans le vide, puis, je me prends pour le personnage. Alors. Ah oui, je me souviens, on pourrait peut-être à crafter l'oxygène si on le débloque avec du titane. J'aurais fait le tour de ce qu'on a, on travaille bonbonne. Là, ça serait peut-être l'imprimante, est-ce qu'on l'a fait? Je crois que oui. Ça serait à vérifier. J'y vais. Par là-bas où je vais, là. Oui, ok, on a l'imprimante, donc ça va être des stockages moyens. Stockage moyen, ainsi que... Mais non, avant. Avant les... Ok, on peut en fabriquer, c'est beau, excuse-moi. Au moins un. C'est, tu veux quoi? Panneau solaire et éolienne, ouais. Et éolien peut-être en priorité? Éolien, ouais. Mais le panneau solaire, il faut donner plus de l'énergie, il me semble. Ouais, je vais chercher un peu d'organique pour donner un petit coup de boost, parce que là, c'est un peu la dèche. Panneau solaire, 2500, et l'éolienne, 3200. On va commencer par le panneau solaire. Qu'on puisse quand même un jour se promener sur cette planète, quoi. Ouais, après ça, ouais. Une fois les deux... énergie en place, on va faire les recherches de véhicules. Oh, j'ai de l'oxygène, de la compo. Allonge, c'est ce que je voulais. Fait que je vais aller faire un petit tour dans la grotte. Et moi, je vais ramasser un peu d'organique. Et même regarder vers la grotte. Ok, toi, tu fais surface? Oui, oui, j'explore un petit peu, je regarde vite fait. Je me suis pas trop éloigné encore. Non, c'est bien parce que toute la recherche ou des métaux ou autres ressources. Là. Ouais. Le terrain est hyper chaotique à deux. Oh la vache! Je tombe dans des trous. Moi, ben, j'en trouve plein de trous. Ah, puis depuis le début, j'aurais dû enlever ça qui serait. D'accord. En multi, à chaque fois, t'as le bandeau d'aide au démarrage du jeu. Ah ouais? Là, c'est des choses qu'il va devoir améliorer. Ça viendra. Là, évidemment, il y avait tout plein de trucs à modifier.
J'ai hâte de voir le terrain 2.0, moi, comme ils avaient promis depuis longtemps. Ah bah oui. J'ai regardé le dernier vlog, d'ailleurs, sur Astroneer. Comme des plateformes de travail qu'on a avec les machines, mais des plateformes sans machines dessus, et elles s'empilent. Ouais, elles s'empilent, et tu peux les plier pour les mettre dans ton sac à dos. C'est marrant. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Ah oui. Alors, est-ce que là... Ah oui, ça... Est-ce que ça me donne un organique? Non. Ça donne pas grand chose. Oh, excuse-moi, j'ai oublié de partir le chrono. Oh là là, le terrain est accidenté, mais c'est bon, je me retrouve. Et moi, j'ai trouvé une nouvelle petite grotte. Je suis tombé sur une très grosse grotte. Ah bah, c'est bien. C'est oxygène. Là, okay. Je me demandais, est-ce qu'on ferait pas plutôt un habitat pour faire une base souterraine? Si tu as envie, mais... Aïe. Ah, le maudit exploseur. De toute façon, il nous faut de l'énergie et on n'a pas d'énergie. C'est le problème. Moi, je pense faire une micro-ellipse. Okay. Le temps d'avoir de l'énergie, de l'organique. Et on se retrouve pour poser l'éolienne. Ok. J'ai assez de recherche pour... J'ai pas fait attention au catalogue. Mais tu fais bien, ton début d'ellipse, j'étais dans l'espace. Donc, c'est très bien. Alors, on a 1900 octets. Et l'éolienne... C'est le panneau solaire, le petit panneau solaire qui est 2500. Il faut arriver à 3200. Donc 2500 pour le panneau solaire, en ensuite l'éolienne. Je pense que l'éolienne serait vitale. Oh, du lithium! Ah ouais? Ouais, ben, ramasse ça au plus vite, mon ami. Est-ce que je peux? En avoir deux, pas rêver, hein, mais bah avec un lithium, au moins on peut le reproduire avec le système de recyclage. Ouais, mais si j'arrive à en avoir deux, ah, c'est cool. Ah, bah, je reprends. Finalement, je suis pas rentré, juste du lithium après. Alors, le lithium ici, il apparaît noir, je comprends pas. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je crève encore une fois, moi? Alors j'ai 3 lithium, j'espère en avoir un quatrième ou une batterie. Avec le courant continu, cool. La batterie elle doit pas être très utile. Non, là je peux pas, c'est la roche. Et là je suis au max. Bon. Mais l'organique, j'en ai un petit peu. Au début de l'ellipse ou quoi? Non, non, j'ai relancé là, du coup pour montrer le lithium. Tu me dis que tu relâches, hein, pour le montage. Ouais. Tu as bien raison. On est à deux enregistrés, je te signale. Eh ben, je recoupe. C'était juste pour montrer le lithium. Ah ouais? Ah. Alors du coup, comme on se met d'accord pour un multi, tu coupes à ces moments-là ou pas, toi? Ben moi, j'enregistre tout d'un coup, puis je fais le montage après. D'accord. C'est pour des raisons d'efficacité, là. Des fois, je coupe, des fois, je fais un accéléré. Là, il y a quelque chose que je comprends pas, puis que j'en ai vraiment... Deux fois que je meurs pour des quelque chose que je sais pas pourquoi. Dans la grotte? Ouais. On dirait qu'il y a de la vapeur qui se dégage, mais je sais pas d'où ça vient. Ah, les péteurs, alors? Si tu veux venir me voir, là, c'est à l'entrée de la grotte, à droite. À gauche, eh ben, je veux écoute, dire. Je reviens doucement avec ce que j'ai, je suis plein. Aïe, ça vient rouge, je sais même pas pourquoi. Ah bah, t'as une bestiole que tu vois pas, hein. Ouais, c'est ça. Pas au plafond. Ouais. Ça c'est rouge. La joie du multi. Escape. J'ai l'impression que le soleil va se coucher. Y'a pas une tempête qui se pointe, là? Non, ça a l'air d'aller. Bon alors, côté énergie, on est comment, là? Ok, voilà. Il y a un pétard. T'as dans le sol. Oui, je l'ai vu. Il y a un pétard dans le sol, juste sous mon cadavre. Oh, le salaud. Allez. Je relance. Allez, je pose des organiques. Et moi, ben, je crève pour la troisième fois parce qu'il y a quelqu'un, un abruti,
qui a mis pétards dans le sol, sous mon cadavre. Et c'est pas moi, hein, c'est pas un prank. Hein. Mais c'est pas mal, ça. J'aurais besoin que tu me donnes un bon coup de main pour éliminer cette affaire-là. Oui, je finissais juste de poser partout. Je veux récupérer mes affaires, moi. Tu me suis? Je donne un coup de boost en énergie. Ok. Je pose des organiques et j'arrive. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est quand même que j'ai ramené 3 lithium. Cool. Et ça, je vais les mettre à l'imprimante. Puis dès qu'on pourra faire une batterie. Ben ouais, ben y en a un à l'imprimante, puis l'autre au recyclage. Tu veux dire à l'extracteur de minerai, ouais, ouais. Un en mémoire, ouais. Qu'on puisse. On va pas débloquer, hein. De dupliquer, si on a besoin. Ouais. Ah tiens, d'ailleurs, on peut faire que un stockage. On a que ça de dispo. On n'a rien débloqué de plus. Ouais, mais l'extracteur de minerai, c'est la première chose que j'ai faite. Ouais, mais c'est normal. Je suis coincé dans les boules de recherche. Alors, si vous vous demandez, est-ce que ça vaut le coup de jouer en multi, si on est motivé. On est motivé. Non. On adore les bugs. On s'amuse ensemble. Voilà. Tu suis? Je te suis. Sors ton arme. Mon aspirateur 2000. Il est où? À l'entrée. Tu me suis? Ah ouais, je suis là. T'es allé... Ah oui, oh la vache, le passage. Et là, t'es où? Tu me suis? Plus le câble. Mais je vois plus de... Je vois plus rien après. Si? Non, mais je te vois pas. Ici, mon ami. Ah, je suis tombé dans le trou. Ah, d'accord. Et pour remonter, ça va être galère. Ben, dès que je vais avoir mes affaires, ça va aller. Mais là, j'ai même plus de conteneur, j'ai rien. Ah, misère. Il y a un maudit pétard dans le... Il est caché dans le sol. Ah, tu l'as eu. Je l'ai vu. Il va falloir réplanir tout ça, hein. Ouais, mais là, la priorité, c'est d'éliminer ce maudit pétard. Voilà. On a plané un peu. Oh là là, ça bouge. Hey, je veux mon cadavre, moi. Je veux mon cadavre. Voilà. Tu vas l'avoir. Mais je suis pas avoir les outils. Ah voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il y avait sur l'outil? Côté compo, c'est un peu la dèche, hein. Ouais, mais sur de la compo, on peut en faire comme on veut, hein. Oui, c'est vrai. La compo et la résine. C'est pour ça que je fais toujours l'extracteur des minerais en premier. Ah, c'est une grande grotte à nouveau. Ah mais t'as été par là? Ouais, j'ai été par là. Des choses là. Ouais. Et là on tombe sur quoi? Qu'est-ce que je ramasse, du charbon? Charbon ça? Ouais. Et moi je continue ma petite explo. Oh voilà, bah on est dans la grotte Ouf. Bon ben j'ai mis des rallonges pour rien moi là. Et là c'est la grande descente, très bien. Wouah. Hey, t'as oublié des recherches ici. Attends, y'a quelque chose qui m'attrape ou quoi là? Y'a un truc au plafond. T'as pas vu la tige là? Non. J'ai eu peur, hein. Y'a un truc là. La saleté, je peux pas la toucher. Si, c'est bon. Oh, punaise, on a fait tout ça déjà. Elle est morte, j'ai entendu crier. Est-ce qu'elle a laissé quelque chose au sol? Non. Bon, bah écoute, tant qu'on n'a pas le catalogue, on est dans la mouise. J'y disais pour la grande éolienne. Ouais. Et panneau solaire en premier, ça, au moins ça nous donnerait l'énergie pour avoir l'éolienne plus vite. Si tu veux, on débloque en premier. Panneau solaire débloqué. Voilà. Et il va nous falloir maintenant 3200 pour l'éolienne. Toujours problème électrique, hein. Est-ce qu'il va falloir du cuivre pour les panneaux solaires? Ouais. Et par là, il y a des choses à extraire ou pas? Je fais mon petit tour, vite fait, en grotte. Tu peux du cuivre en surface? Non, j'en ai pas vu, hein. Et là, on a quoi? Bah là, c'est de la malachite, là. Ah ouais, où ça? Ah oui, mais c'était un bug graphique, attends. Ah non, ça marche? Pas. T'es où, toi, là?
Je suis en train de gérer un bug graphique. La forme du cuivre a repoussé, mais il n'y a plus rien. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Là, c'est de l'ammonium. Ok. Je suis dans la grotte, je me promène un peu. Je regarde ce que j'ai par là. Là, pareil, c'est faux. Ok. Ah bah, c'est bon, je te vois, là. Ouais. Je gère. Enfin, je gère. Je suis parti sans câble, sans rien, je fais gaffe. Attention au satellite, des fois il y a des choses de recherche dans le satellite. Non mais je vois des bestioles au plafond qui veulent me tuer. Ah, là j'ai trouvé quelque chose. Ah. Hématite. Mince. Ah, c'est du cuivre qui est venu pour mon ami, c'est du cuivre. Eh ouais. Hématite, ça sert à rien. Regardez comme c'est beau. Minerai de fer. C'est écrit minerai de fer en plus. Ah ouais? Oxygène 50. Ouais, je vais essayer d'en ramasser un. C'est vrai que les matières, c'est du minerai de fer. Ah, je vais crever, attends, j'en fais le plein d'oxygène, je reviens. Attends, ça donne pas beaucoup par contre, hein. Ouais, j'ai remarqué que maintenant il faut creuser plus pour avoir un stock. Ouais. Ça ressemble à du titane. Quand on extrait. Ah non, c'est bon, j'en ai extrait deux. Bon, je vais essayer d'avoir tout. Et je remonte sur la surface. Moi, je viens de trouver une autre grotte. Ouais. Bon, là, aujourd'hui, c'est l'épisode énergie, de toute façon. Il faut arriver à... Exploration et énergie. Ouais. On va voir pour les panneaux solaires. On a deux lithium sûrs pour faire une batterie, qu'on débloquera aussi. Il y a un troisième en réserve. Ouais. Oh. Bon, allez. Ah, ben, et tu viens de trouver de la résine. Oh, ça c'est bien. Et là, il y a quoi là? Là, c'est du cuivre. Y a des J'ai des choses là au plafond aussi. Malachite. Oui. Ah, oui, c'est vrai, le malachite au plafond. Oui. Je sais que j'avais commencé une plateforme de travail. Oh la vache. Je me souviens là. Ça, c'est de la rando. Hein. En tout cas, moi, je viens de trouver de la résine. Ouais. Mais là, c'est de retrouver la base. Je nettoie un peu le plafond, il y a des choses qui tomberont du plafond. Tu vois des doigts en forme, des trucs gris en forme de doigts là. Surtout ne les efface pas s'il te plaît. Oui, c'est des marques à toi. Ouais, pour que je puisse me repérer dans la grotte. La pointe indique la base. Du coup, je vais peut-être m'enlever des organiques moi. Ça va? Ouais. Je continue à extraire dans le noir. Du cuivre au plafond, tout va très bien. Oxygène 50. J'essaye de voir les points d'accroche du métal. Peux-tu faire une rampe hein, à partir du sol? Oh ouais, mais... J'en ai que 3. Oh, attends. On refait le plein. Je suis pas loin du quatrième, là. Il me manque quelques ressources. Et après, je remonterai en surface. La barre d'oxygène. Ok. En partant, n'oublie pas de prendre une chose de recherche. Peut-être faire une petite bande de montée, ouais. Ça travaille mieux avec une plateforme. Là-dessus. Ça me fait penser au jeu de Mario Bros. Ouais. Je fais des plateformes trop grosses. Attends, on va aplanir. Pas pour un véhicule, là, c'est juste pour monter dessus. Voilà, alors le cuivre, normalement j'ai tout gratté. Oxygène 50, oui bon. Ah, en voilà encore. Ok, moi je viens de... Ah, j'ai réussi à avoir mes 4. Ouais, bravo. Allez, je rentre. Moi j'active un autre source de recherche. Ouais, et du coup, petite ellipse à la surface. Et moi je continue. Avec un saut d'énergie. Ah, je peux même pas ramasser les boules de recherche que j'ai fait tomber? Non. T'es pas capable de ramasser les boules de recherche? Ouais, ce sera à toi de le faire. Ah, c'est pas vrai. Ça commence bien. Hein. Au moins, dis-moi que t'as le cuivre au moins. J'ai le cuivre. T'attends bien parce que moi j'ai 3 grosses réserves de cuivre aussi, donc... Ouais. Aucune boule de recherche ne peut être ramassée. Ah, c'est fou, ouais. Ah ouais?
Ah, c'est complètement fou. Oui. Je peux extraire et après c'est bon, mais sinon. Zéro. Ah, par contre, c'est joli hein, quand c'est buggé. Hein, toutes les ressources au plafond. Ouais, voilà, en tout cas, il y a plein de ressources de cuivre ici, c'est sûr. Ah, c'est un spot de résine que je traverse. C'est magnifique là. Bon, ben, je vais me faire. Ah, je prends une photo. Attends, je me fais le micro-hélice pour rigoler. Bonjour à vous, ici l'interdit, nous allons jouer ensemble en duo avec Richcool dans le bug du multi. Clac. Je me prépare un truc. Et vous, vous avez, de mon côté, ben vous avez tout entendu en direct le son, mais pas l'image. Hop. Je vais me dépêcher de faire un panneau solaire. Ouais. Je bidouille et j'arrive à la surface pour qu'on puisse fondre le cuivre tout de suite. C'est du cuivre qu'il faut pour le panneau? Ouais, je t'arrête d'en faire là. D'accord, bon ben je fonce. Je suis dans la grande pente. Ça va être ça, un cuivre, éolienne et après ma grosse batterie quoi. Peut-être bien grosse batterie avant éolienne, je sais pas. Et vu qu'il y a beaucoup de vent, moi... Ouais. Voilà, j'arrive sur la surface, je relance. Yeah. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a du cuivre, oui. On a même une bonne quantité de cuivre, tu en avais ramassé pas mal tout à l'heure. Ouais, mais c'est bien. Là, c'est de l'énergie qu'il nous faut. Donc tu as mis un... Bah, il faut qu'elle se lève. Oui, il y a une tempête en vue. Ah, misère. Richcool. Quoi? Je me mets à l'abri à la navette le plus vite possible. Elle arrive sur nous dans quelques secondes. Ok, moi je descends en bas. Je vais sauvegarder la partie comme ça, faut y penser hein, quand même. Ok, ça va, tout va très bien. Tu peux, t'as juste t'occuper des panneaux solaires. Ouais. Allez, sauvegarde. Micro-ellipse encore. De toute façon, elle en est où la tempête? Ah bah elle est sur moi là. Je me demande s'il y a des débris qui volent, je vais regarder vite fait. Et moi, ben heureusement, je suis pas fou, je me suis mis dans les... dans le tunnel. Et au passage, je voulais remercier nos viewers. Parce que nous faisons un duplex Bretagne-Québec-Montréal. En direct, c'est chaud pour le son, on se débrouille comme on peut, j'espère que ça se passe bien. Ouais, soyez un peu intelligent là, n'oubliez pas que les signaux ils traversent l'océan. Hein. Eh ouais, le câble sous-marin, c'est beau les progrès. Hein. Tiens, c'est marrant, on voit ma sacoche qui dépasse de l'autre côté de la cabine. T'as pris pas mal de temps pour le faire ce câble là. Ouais. Alors du coup, j'ai pas coupé, je suis en train de voir s'il y a la tempête, il y a des débris qui volent, je vois que de la poussière. Et moi, ben j'ai des pâteurs au plafond. C'est vrai. Je vais vider mes bonbons. Et en plus, sont quasiment hors de ma portée. J'ai peur de descendre et de mourir tout de suite. Oh, je viens de trouver un beau petit stock. Ça a l'air d'aller. Oh, c'est bizarre. On est en pleine tempête, ça va. Hein. Mais ça je vois rien. Je suis pas courbé. Ah. Ou alors je vais mourir dans les 30 secondes parce que c'est un bug. Attends, je peux même plus ramasser les bonbons que j'ai sur moi. Non! Sur mon pistolet, je peux pas les enlever. Eh, hey, pourtant, on a pas fait grand chose là. Je peux rien enlever de mon sac à dos non plus. Ah non, mais c'est pas vrai! Si! Richcool, ouais. Au secours! Au secours, je suis bloqué! Laisse-moi juste finir de ramasser ce que je ramasse. On va aller jusqu'au bout du bug, hein, c'est l'aventure. On va devoir faire un restart, on a pas le choix. Oui, mais j'attends que tu viennes pour me vider mon sac et tout ce que j'ai sur moi, ce serait dommage. Ok, je remonte. La tempête, elle est où? Hein? La tempête. Elle est finie. Elle est partie. Ah, je suis en train de bugger à mort, mais quelque chose de mignon, quoi. Ah, moi, tout va bien. J'ai même trouvé du composite, mon ami. En plein dans le plafond. Ouais. On dirait que les meilleures ressources sont dans le plafond. C'est bizarre. Ah, je peux vraiment rien ramasser? Non! Je peux même pas activer les machines. C'est vraiment là, un restart là. Là, je suis juste en simple visiteur. Bon, ben. Yop! Allez, attends. On va se faire. Un petit peu. Voilà. Je te laisse faire ça déjà. Moi, c'est drôle, ça fonctionne très bien. Toi, oui, je sais. Alors, vas-y, je te laisse prendre tout ce qui est sur moi après. Et je vais déco-reco, hein, y a pas le choix. Est-ce que tu peux avoir accès à mon sac? Non, j'ai pas accès à ton non. sac.
Tu rigoles? Non, faut juste... Vu que t'as beaucoup de cuivre en plus... Hey, c'est drôle quand tu actives le saut de recherche là. Oui. Ouais. Et on te voit, je te filme en train de... Bouge pas. Je te filme en train de regarder ton... Ah, c'est cool ça. Ouais, comme si tu t'en as une palette. Tu peux le faire toi aussi, tiens, que je vois un peu ce que ça donne. Ouvre ton catalogue. Ah oui, excellent. Bon, ben, t'as juste je vais continuer à enregistrer. Déconnecte pour voir si tu vas crever en laissant les choses sur place. Allez, je reviens. Revenir au bureau. Oh, c'est dommage. Ah, ton cadavre est là. Ouais. Et j'ai accès à tout... Non, oui, j'ai accès à tout ce qui est sur ton cadavre. Bah ramasse, ramasse, profites-en. Alors, je relance, du coup, Astronir. Je m'hydrate au passage. On a déjà réussi un objectif dans notre épisode. C'est le panneau solaire. C'est le panneau solaire, déjà. Ouais. 2500, on est rendu à 1400. Hey, avec un seul panneau solaire, c'est déjà pas mal. Ah, c'est bien. Moi, je vais en faire plusieurs panneaux solaires. J'attends ton invitation, c'est bon. Ok. En même temps, les amis, pour la première fois avec nous, vous allez voir comment on fait une invitation à jouer. Alors, ton invitation, je l'ai. Je clique dessus. Ça va charger. J'espère que ça l'a enregistré. Bah, on verra. Hein. Que je rebug pas, j'espère. Sinon, ce sera la fin de l'aventure, quoi. Ça serait con, on n'a rien fait. Mais ça confirme un truc, on avait fait une pause en multi il y a un bon moment. On peut pas jouer en multi encore. Alors, vite fait, comme je suis dans l'espace, je configure mon clavier. Heureusement que je refais la même mission en solo. Bah oui, hein. Bah au comme fait, moi en fait, en même temps. Ceux qui nous écoutent, il y a un petit noir à la fin, je m'en excuse, c'est un problème de montage. Je me suis rendu compte, j'ai oublié de mon noir de fin, je l'ai laissé là. Je suis désolé. Allez, je quitte le monde Terra, je m'envole vers Exotica. Ça bug de l'enfer, mais c'est génial, comme ça. Waouh. Tu trouves ça génial, le bugage? Oui, ça me fait marrer, parce qu'on se rend compte de ce qu'il en est. Mais, quand solo, ce jeu est magnifique aussi. Hein. Mais il faut dire aussi que, d'un point de vue programmation, là, ça doit être assez dur à faire, ce jeu-là. Ah bah, quand on regarde leurs vlogs, là, qu'ils filment sur leur chaîne, ils sont nombreux, hein, les gars, maintenant. Ouais. Ben, avec plus de 2 millions de personnes qui se sont achetées la pré-alpha, là. Alors, est-ce que déjà j'ai accès... Je vais essayer de récupérer mes objets que t'as posés à l'imprimante. Okay. Je suppose. Oh là, il y a des débris partout, c'est un cauchemar pour me reconnaître. Mais en tout cas, avec... Je signale qu'avec déjà 2 panneaux solaires, c'est déjà beaucoup mieux. J'ai mes 3 sources de recherche qui fonctionnent à pleine capacité. Alors, je peux accrocher une bonbonne et je peux l'enlever. C'est bon, là ça marche. Est-ce que tu avais récupéré ma lampe de travail ou est-ce qu'elle était perdue? Oui, je l'ai récupérée. Tu l'as posée loin? Recherche. Bien voir. Vu. Ouh. Il n'avait pas les 7 là, il est 7 là. Alors, donc je disais en off, premier objectif atteint, on a un panneau solaire. Ouais, moi je suis perdu. Deuxième panneau solaire. Il y a un troisième. Ah, bah, c'est bien le cuivre alors, hein. Du coup, le catalogue. Ouais, une chance qu'on en avait. Il va falloir réfléchir. Générateur de charbon, non. Bon, ben, celui-là, au revoir. On y met pas donc, le salaire à la place. Éolienne. Ouais, la grosse éolienne porte de l'électricité tout le temps. 3200. Ouais. Et sinon, la grosse batterie, 6000. Ah ouais, non, on fait l'éolienne, hein. De toute façon, okay. Avec l'énergie en continu, la batterie, elle sert pratiquement plus maintenant. Voilà, on met à fondre ça. C'est vrai, je vais aller faire... Ah bah tiens, je vois une... Ah, je peux même récupérer les boules au sol. Ah oui, c'était vraiment une roco qui fait... Tempête en route, tempête en cours, je répète, tempête en cours. Ah mince, 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 mince. Non, c'est pas juste. Je refuse.
Alors. Voilà, là en traitement, c'est court. 251 On dirait qu'il y a eu une mise à jour avec le recycleur. C'est-à-dire? Ben, je suis capable de mettre mes bouteilles pleines de terre. Ah cool! Tu peux t'en piquer un peu? Ouais. Bah de toute façon j'ai des bonbonnes à mettre, attends. Vas-y, prends-les. Allez, ouais. Je te prends deux là. Ok, c'est bon. Hop, on va recharger un peu tout ça. On s'en fout de la tempête. Je vais te montrer un truc avec les... C'est beau ? Plus qu'un. Ah, regarde, on peut faire des copeaux là. Observe bien ma technique, tu vas voir. Tu fais quoi ? Ah oui, tu cliques dessus avec le chiffre, c'est vrai. Et ça revient sur le pistolet aussitôt ? Dans le sac à dos ou sur le pistolet ? Si ça vient dans le sac à dos, mets juste un clic, ça va directement sur le pistolet. La tempête ne vient pas vers nous, hein. Elle nous contourne. C'est cool. Ah ouais. Ah, j'ai une autre bonbonne ici. Ah, ça y est. T'as combien de bonbonnes, mon ami? Moi, j'en ai 3, j'aime bien être à 3. Oh, ben voilà 4. Bah, j'ai pas le choix. Bon, on va faire un peu d'explos. Une éolienne, donc il faut du courant, on est dans la mouise là pour l'instant, ouais. Des rallonges. Donc là il faut qu'on arrive à 3200. Les 3 modules de recherche au travail. Hop, encore des rallonges. Ouais, vérifie les modules de recherche s'il te plaît. Tiens, ah bah la lampe elle buguait à moitié, elle me faisait peur. Attends, je deviens parano hein. Alors de l'organique. Je vais arrêter de creuser près de la base, ça va être l'enfer. J'avais vu par là-bas. Hop. Alors j'espère que ça vous plaît quand même parce que c'est des épisodes de galère pour moi, je vous raconte pas. Et moi, ben c'est l'épisode cool. Ouais, bah t'as bien de la chance, tiens. Eh, je t'ai fait souffrir pas mal au début, hein, c'est normal. Alors, est-ce que j'en ai là? Même pas. C'est le problème. Ce que j'aime hein, sur cette planète-là, c'est que le sol, il est tellement illégal. Faut faire pas mal de... Comment veux-tu qu'on fasse du rover dessus? Non, ça prend le camion, mon ami, ça prend le camion. Ouais, ouais, ouais. Hop. Ça prend le camion, il faut faire son chemin au fur et à mesure. Ne dis pas la galère ce que c'est de transporter deux camions. Allez, je grimpe, je vadrouille partout. Oh, un speaker. C'est speaker, hein, déjà, les épines, je sais plus. Ouais, c'est speaker. Les péteurs sont ceux qui lancent du gaz. Ouais. Comme leur nom l'indique. Alors, est-ce qu'on peut laisser une... Non. Ah, une autre grotte. Oxygène. Voilà. Voilà, c'est une grotte. Je vadrouille par là, moi. Là, on a pas mal de blocs de recherche. Là. Ouais, et si on arrive à trouver dans cet épisode l'éolienne aussi, on aura bien progressé. Ouais. Allez. Ah, des pétards, ouais, non. Des pétards, des speakers, mais merde. Quatre organiques. Le planète là, pour l'aventure, c'est l'une des meilleures. Ah, c'est l'enfer, oui, tu veux dire. Ah, des champignons par là, cool. Ouais, ça nous oblige à faire pas mal de rallonges, hein. Heureusement qu'on... plus pas de remplir tes containers, hein. Oui, bah, je fais ce que je peux. Je suis pas dans les grottes, j'en ai un de plein, bon. Tiens, je t'avais pas vu, toi. Saleté de péteur, tiens. Moi, je fais d'explo. Quand j'ai fini mon explo, ben, je remplis mes containers. J'essaye. J'ai pas de les remplir. Je fais ce que je peux. Ah, ça sent la misère du début à chaque fois. Aïe. Le terrain il est vraiment difficile par ici. Ouais, c'est pour ça que je veux pas trop l'abîmer. Allez, j'essaie de retourner à la base avant qu'il y ait une autre tempête. Bah... Yo. Ah, j'étais pas si loin, j'ai contourné la base. Pas mal. Allez, moi je suis complètement perdu. Bah moi je suis à la maison. Alors, les bonbonnes, bah je les vide, déjà. Il est quasiment plein l'extracteur, qu'est-ce que tu veux? On reste sur la compo? Ouais, pour l'instant, ouais. Hein? À moins que tu veux faire une source de recherche? Non. Je suis d'accord qu'on est à 0 octets par minute.
Ah oui, il charge même pas là, il a pas de courant. Attends, il faut que je mette un mini panneau solaire. Ah, c'est parce que c'est la nuit, mec. Ouais. J'avais une mini éolienne, tiens, on va la mettre tout en haut. Oh, ok, je tourne en rond ou quoi? Je vais essayer de l'accrocher, attends, je l'ai pris, elle était près de l'extracteur, mais là... Non. Ah bah ouais, je tourne en rond. Ah, je sais pas où t'es rendu, mais t'es loin, hein. J'ai cru te voir, d'ailleurs, là. Vois-tu? Moi, je te vois. Ouais. Ah oui, t'es à perpète, hein. Il y a pas de vent, il y a pas un pet de vent, mais le jour se lève. Alors... Oh, je trouve plein de blocs de recherche, mais là, pour l'instant, on a une sacrée réserve, pour l'instant. Ah, et je booste avec l'organique. J'avais oublié que j'avais ça. Donc c'est bon, je lance une tournée de compo. Et la nuit s'en va. Regardez, on voit les planètes, je vois la planète Terra. Le gris, la là, ride. C'est... Ouais. Moi, ce que j'aime bien avec le gris, c'est qu'on voit où on a creusé, où on a mis de la terre. Ouais. C'est comme si on mettait du béton. Ah, il va me trouver une belle réserve pour l'organique. Non, on est à 1800. Il s'est pas lancé celui-là. Ah si. Le jour. Ah oui, les panneaux solaires sont trop bas en fait dans la grotte. Il faut les monter en hauteur. Bah, prends de la résine puis fais des. Ouais. Des Ils sont trop bas, ils sont cachés par l'ombre en fait. Okay. Je les mets plus haut comme l'autre, comme tu as fait, oui. Allez, 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 allez. Mais ceux que j'ai mis mes deux blocs de hauteur, garde-les pour l'éolienne. Ah bah. Il va falloir qu'on fasse autre chose, on fasse un spot sur le côté qui soit bien en hauteur dans le dôme là. Ouais, t'as juste à continuer la hauteur. Les résines, ouais. Et il faut de la résine mince. Il y a une réserve de résine sur la base. Bah, je vais faire ça, tiens. Il faut qu'on se sorte de là. Hop, sinon, tu peux mettre de la résine avec le reste là. Là j'en ai un, je vais fermer ça, je sais pas demander. Vu. Eh ben cette planète là, elle réserve plein de surprises. Plein d'embêtements, ouais. Chaque planète a son biome différent, c'est cool. Voilà, ça va être encore plus avec le terrain 2.0. Alors, où est-ce que je vais l'agrandir? Est-ce que je peux l'agrandir? Oui, parce qu'on est bloqué par là. D'après ce que j'ai compris là, avec le terrain 2.0, chaque planète va non seulement avoir son biome, mais également son propre écosystème. Il y aura des bestioles, tu crois? Ça serait génial, hein. Hey, ne dis pas que j'ai pas encore un petit peu de l'eau, des bestioles, des plantes spéciales. Je cherche par où aller. Actuellement, des stockages, forêt, non. Ah voilà, la balise. On va essayer de faire un truc que... Allez, je vais aplanir par là. Et voilà, comment faire une balise. Et ici, on est bien. La base, elle est... par là. Ok. Ah, et puis j'arrive sur les fameux blocs... Ceux qui se posent des questions, ben je fais un panneau indicateur. Oh, bruit de tempête. Que tu vois la tempête. Je me dépêche. Bon, j'ai une plateforme pour les panneaux solaires, c'est bon. Ouais, pour indiquer que je passais par ici. Je vais l'enlever de la navette. Voilà. Moi, je vois pas de tempête. Je l'entends aussi, hein. Ah ouais? Je l'entends, mais je vois pas. Ou alors c'est le coucher du soleil qui fait ça? Non, je ressens la tempête, effectivement. Ça, c'est vrai que les cabines s'enlèvent, c'est assez marrant, maintenant. D'ailleurs, la tempête nous arrive droit dessus, mon ami. Enfin, droit sur moi. On est à 0 octets minutes. Il y a un problème. 2300. Il y a un problème parce qu'on est en pleine nuit, je te signale. Misère. Et tu as raison, je vais mettre à l'abri, je la vois pas. Mais je monte en cabine parce que là, c'est bien chaud. Voilà, sauvegarde effectuée. Merci pour la sauvegarde, ouais. Une petite ellipse. Le temps qu'elle passe. Ah oui, je la vois. Oh, elle est immense. Bon, allez, à tout de suite. À tout de suite. Salut à tous. Bonjour à tous. Ouais, bonjour à tous. Il est tout bien content. On est parti dans la galère, tu crois? Il est tout content. Alors, il est tout content. L'objectif du jour, mon cher Ishkool. Donc tu as vu, j'ai fait la plateforme solaire.
Ouais, nous avons vu. Déjà deux panneaux. J'ai pas fait gaffe si on avait de l'aluminium parce que maintenant, aujourd'hui, on va débloquer l'éolienne. De l'aluminium, je pense que j'en ai un en réserve pour. Ouais. T'as oublié un panneau solaire, mon ami. C'est vrai. Et côté multi, vous avez vu les bugs graphiques pour moi. Mais on a vu que quand j'arrive à plus rien prendre, il faut que je fasse un déco reco. Ça remarche. Je me reconnais. Déco reco. Déco reco. Déconnexion. Reconnexion. Je précise. Allez, on va amplifier les recherches. Tiens, il y a un composite qui traîne là aussi. T'as combien, lui? 900 celui-là. Traitement d'échantillon, c'est parti. Oh, on approche, mon ami, on approche. On est à combien? 23,47. Ah oui, ça va vite avec les panneaux. 3200. Hein. Autrement dit, ça te prend un pour les. Tant que t'as pas les panneaux solaires, ça vaut pas la peine d'en mettre plus qu'un bloc de recherche. Là, c'est le réacteur. Bon, le réacteur, tiens, clac, qu'on a trouvé. On va jouer avec, je vous promets. On a le cuivre. Quand on aura du carburant, on fera les kékés avec. On va faire un autre panneau solaire. Alors, bah, où tu peux, oui. Mais par contre, l'imprimante, je sais même plus où elle est. Je suis à côté. Ok, c'est beau. Voilà. Bon, bah là, ça marche. Mais il fait nuit. Crotte. T'as trouvé de la lutte, toi? 139 octets. Pourquoi il fait nuit? Ah non, j'avais l'impression. Il en est où le soleil là? Non, je rigole pas, il fait vraiment nuit. Non, il fait nuit. Je te signale qu'il fait nuit, effectivement. La question aussi du quai des véhicules, tiens. Ouais, c'est une bonne. On pourrait le refaire à partir par ici, il faudrait que j'aplanisse un petit peu le terrain qui est vraiment dégueulasse. Pour ceux qui ont des problèmes avec les éoliennes, là, un bon petit truc, faites augmenter le terrain comme j'ai fait, comme vous m'avez vu faire dans le dernier épisode. Et vous allez voir que les éoliennes tournent beaucoup plus facilement. C'est à combien? J'aplanis un petit peu mon côté. Oh, 188 par minute, c'est bon. C'est bien, ça, on peut être mieux encore. Hein. Puis toi que t'es meilleur que moi pour ça, peux-tu trouver un emplacement pour le quai à véhicule? Eh ben, je suis en train de le préparer du côté des panneaux solaires. Regarde, j'ai aplani ici. Faudrait qu'on amène ici les résines. Hein. On pourrait peut-être repiquer. Du coup, où est-ce qu'on pourrait repiquer pour venir? Ou alors on fait un habitat. Okay, mais en attendant, peux-tu. On va faire les camions plutôt. Est-ce que tu peux. Ouais, mais regarde ce que prendre les deux compos ici, faire une chose de chargement, le mettre ici sur le. Ah oui, des plateformes de transport. Oui, on va en faire, tiens. Non, mais je pensais, là où j'ai aplani, on pourra mettre un habitat. Connecté avec un petit rover à l'ensemble. Okay, si tu veux. Et ouais, comme mais ça, on pourra faire. J'aimerais mieux avoir mes camions avant. Eh ben oui, mais il faut le quai de véhicule, mais il faut qu'on soit branché pour le réseau. Alors, panneau solaire, non. J'aimerais mieux trouver les panneaux solaires avant. Bon, on y va. Non, c'est pas vrai, une autre tempête, mec. Eh oui, je la vois. Elle est même colossale, celle-là. Ah, c'est pas vrai, foutez-nous un peu la paix quand même. Hey mec, sais-tu quoi? Oui. J'ai creusé un peu pour me mettre à l'abri et je viens de trouver charbon. Ramène-le, qu'on fera un plafond de transport. Bon, je sauvegarde. Allez, je suis bugué. Non. Je sors. Si, non, mais j'avais une pharmacie. Voilà. Petite ellipse. Charge pour que je dois faire un autre transport. C'est un peu la dèche. Moi, quand je pose une balai, je préfère l'enterrer. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'en l'enterrant, t'es certain qu'elle va pas partir dans le vent. Ah, ok, c'est bon, le courant est revenu, tout est bon là. La balise bleue, est-ce que tu la vois? Je te vois, toi. Je suis dans le sol là de la base. J'étais à l'imprimante, je suis dans la cuvette, attends. Allez, je retourne cette fois avec une nouvelle plaque de transport vers l'extracteur. Ça sera que plus tu vois la palette bleue. Alors t'as mis une balise bleue. Ah oui. Et balise au-dessus bleue, de du monticule. C'est pour indiquer des ressources, donc celui-là c'est pour le charbon. Ouais.
Tiens, je vais vider un peu mes bonbonnes. Encore une tempête. Ah, c'est pas vrai. Si, si, mais c'est du délire complet. Ah ben, elle m'a plein dessus en plus. Je lance l'extracteur pour des compos encore, on va faire plein de packs. On va se donner du confort aujourd'hui. Elle est pas petite celle-là. Hein. Ah, moi je m'en vais. À l'abri. Je fais pas des... On est rendu à plus de 3000 octets. Ah, avec les panneaux ça là, ça va... Il y a toutes les choses de recherche, ça va bien. Ah, ça va beaucoup plus vite, hein. Ah, il nous faut les éoliennes à tout prix. Tu vois que ça vaut la peine de mettre un panneau de stockage sur le recyclage? Oui. Ouais, je vais le descendre après. Je vais en refaire d'autres. En exploration, tu fais la surface, là? Là, pour l'instant, oui, parce que la grotte... J'essaie de voir si je peux trouver des ressources. Il n'y a pas de débris, hein. C'est que du vent. Peux-tu voir le... faire l'éolienne? Je vais jeter un œil. Ah, je suis fou, en pleine tempête. Il nous faut 3200. Ah ouais, on a assez. Validé. Le problème, c'est que les éoliennes ne fonctionnent pas dans les tempêtes. Je ne sais plus. Attends, on descend. Ben, ils ne sont pas censés parce que ça pourrait briser l'éolienne. Donc, ça rentre, ne pas fonctionner. Alors, il faut de l'alu, là. Hein. Je vais enlever un peu mes organiques. Voilà, deux aluminiums. On a ça ou nous, quoi? Je me demande... Ah oui, on a ce qu'il faut. Tiens, je vais vider un petit peu aussi. Organique, de la recherche encore. Vérifie, voir si j'ai pas... Il y a deux alus ici, de ce côté-ci. J'ai des trois alus ici. Ouais, je vais les prendre. Ok. Faudrait passer à mettre un malachite en réserve. Je suis full moi. Non, c'est bon. Mais non, je veux pas te perdre. Alors. Impeccable. En off aussi, avant de faire ces deux épisodes, j'ai discuté un peu avec Rich Cool. À Noël, j'ai craqué. J'ai acheté un nouveau jeu 4X que j'attendais depuis longtemps, moi. Je suis en retard. Hein. Ouais. Le jeu Stellaris. Ouais, tu l'as déjà pris l'éolienne? Ouais. Ah oui, parce que je la vois pas. Ah oui, le saligou. Voilà. Ah punaise, je parle d'un truc. Monsieur se barre avec mon craft. Ah mais c'est un scandale. Alors du coup, tu l'as branché, ça tourne ou pas? Ouais, ça tourne. Et j'ai bien fait de l'avoir mis en hauteur parce que ça tourne encore plus. Et on est monté à 352 octets minutes. On est fou, on vise la batterie ou pas? Bah moi je prendrais plutôt les camions. Bah le cas des véhicules avant. Ah oui, le camion il coûte 8000 hein. Ouais, mais avec ça. Ça va pas être tout de suite. Ah non, t'es sûr? Le petit rover dans ce cas-là. Le petit rover ici, t'es fou? Bah alors le 8000, ça, faut attendre. Ça il va falloir qu'on fasse quel. Ça a coûté cher. Le réservoir il sert pas à grand chose de toute façon. Et l'habitat il coûte 4000. Et il nous faut un habitat. Tu sais ce qu'il nous reste à faire dans ce cas-là? Ça va être chaud, hein, mais il faut ramener des boules de recherche encore. Hein. Ouais, la réserve elle commence à s'épuiser. Ouais. Bon, ben, on va aller faire une petite expédition. Je vais poser un peu tout. Je fais le tour de mes bonbonnes. Ok. Ouais, il va falloir d'autres. Ouais. D'autres compos. Ben, oui, petite ellipse. On se retrouve. On va faire un tour dans la grotte. Ok. Salut à tous. Hop, je te rejoins avec une plateforme. Alors du coup, les panneaux solaires en journée, c'est nickel. Hein. On tourne à 340 octets, j'ai revu ça, ça confirme. Hop là, le fantôme de résine. Et tu m'as dit que tu étais sur la plateforme dans la grande grotte. Ouais. Vois je pas. Te cherche. Je vois de la lumière au loin. Ah mais t'es en bas ou t'es en haut? T'es en haut. Parce que les ressources se trouvent au plafond. Et là, je vois quoi? De la compo au plafond, je vois le fantôme. Tiens. Je te suis? Ouais, parce que j'avais mis deux alus à un endroit, je sais plus où. Ah, ils sont là-bas. Ah. Je les vois. Regardez-moi ça, toute la compo, là. Ouais, il y a plein de ressources au plafond. Ouais. Bon, bah, Richcool, il voit plus rien, mais moi, j'ai le bug multi. Tiens, je pose la plaque, là. Est-ce que t'as vu les deux blocs d'aluminium que j'ai laissés? Oui, oui.
Je vais même nettoyer un peu le toit parce que là on a pas beaucoup de place. Et on va sécuriser un peu. Je fais un peu d'exploration pour avec le toit. Donc du coup on a ramené plein de boules de recherche aussi. On est vraiment motivé pour y arriver. Je veux mes camions. Mais avant le camion, il faut le cas de véhicule, il faut la plateforme d'échange. N'oublie pas de mettre une chose d'aluminium non fondu dans le dans l'extracteur de minerais. Ah oui, tu veux en faire comme ça aussi. Oui, t'as raison. Pour en faire une réserve au cas où. Bah, je vois pas d'autre alu dans le coin, t'as tout gratté autrement. Je continue mes recherches au plafond là. Bah écoute, je te laisse la plaque de transport là, je vais prendre la boule de recherche. Okay. Moi je remonte avec mes copains. Par contre, je suis venu de où moi? Ah oui. Ça fait un réseau de ponts partout là. De retour de la pause et je viens de trouver de l'aluminium. Enfin, si j'y arrive. Attention. Pas oublier de mettre des rallonges. Et voilà, de l'aluminium, en veux-tu, en voilà. Allô mon ami, t'es toujours là? Ah ben, faut croire qu'il est perdu complètement, hein. Ah ben, faut croire que j'ai perdu mon copain. Bon. Moi, je continue mon petit travail de récupération. Parce que si je veux les camions, il me faut de l'aluminium. Bon, et bien, ici Ridicule, qui a été abandonné par Tecamon. On va se retrouver au prochain épisode. Salut! Salut! À la prochaine!